Enfin, c'est ces rats qui font du bruit. Hein. J'ai reçu un héritage de mon grand-père, j'ai hâte de voir la nouvelle maison, même si je n'ai jamais vu mon grand-père. Mon avocat Karim m'a laissé l'accès à la maison et je vais commencer la rénovation. Après tout, c'est une très vieille maison et elle a été abandonnée pendant 4 ans. J'espère trouver une nouvelle vie. J'ai trouvé la traduction assez correcte. Moi je vais me prendre des droits d'auteur. La première fois j'ai pris des droits d'auteur sur YouTube, ma vidéo n'est pas monétisée à cause de ça. J'aurais dû couper les musiques. Mais elles sont tellement bien. Ouais, c'est ça, c'est le même mec, ouais. 26 octobre 1977. Ah, je peux pas remove les planches. Je peux pas enlever la musique. Les planches, pardon. J'ai vu musique dans le chat en même temps. Attends. On peut baisser la... Oh ! Caméra style, attendez. PSX, donc on est en PSX. PS2. Oh ! Mais c'est trop... Oh. Mais c'est trop bien. Essaye VHS. Ah oui. Oh non, VHS, non. Je me dis que y avait la possibilité pour le jeu avec le tueur de passer le jeu en PS2 aussi. Hein. Donc là, je peux pas accéder à la maison depuis l'entrée. On va voir. Moi, je vais me faire flinguer par un rat, je le sens. Le retour des mouches. Hein. Ils aiment les mouches dans ce jeu. Oh, il faut faire E pour enlever. Tac. Oh putain. Oh ratatouille. Il est fat, hein. Oh là. Ok. Salut Ray, bienvenue dans ta nouvelle maison. Ton grand-père adore cet endroit. So you left the house. Donc il t'a laissé cette maison pour que... Enfin, il t'a laissé cette maison. Elle a été abandonnée pendant 4 ans. Monsieur Burt, il s'appelait comme ça? Alors attendez, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Il est mort et c'est vraiment difficile to find him to fulfill the will. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que veut dire fulfill the will. En tout cas, il nous a laissé de la peinture verte. Pour peindre la maison. Ok. Donc on se verra demain pour la rénovation de la maison, quoi. De votre ami, Karim. Non, from his friend and... Ah bah si, de votre ami, Karim. Remplir le vide? C'est peut-être ça? Je sais pas. En tout cas, on va voir. Close. C'est parti. Y a quelqu'un? En gros, depuis la mort du proprio, la session est... Ok. Encore des rats. Cette maison en est infectée. Mais on... Il va y avoir un truc... Le bousin, il va être énorme. Oh là. Février 1965. Oh non. Un serial killer est porté disparu. Il kidnappait les gens. Ah oui, les corps n'ont jamais été retrouvés. La police a fait un dessin basé sur les... Oh mince. Bon, en gros, on va dire sur les dires, mais c'est pas, ça veut pas dire sur les dires, mais... bon. Basé sur ce que... sur les dires des gens, quoi. Mais je sais pas ce... Sur les témoignages, merci. Sur les témoignages, du coup, des personnes. J'imagine qu'ils ont vu le tueur. Cette personne est vraiment dangereuse et elle utilise une hache pour tuer ses victimes. Pour plus d'informations,
appelé The Whistleblower. Ça, c'est le nom de Outlast. Outlast Whistleblower, ça veut dire quoi? Sinon, tu colles le 911, bien évidemment. Whistleblower, c'est quoi déjà? Que veut dire whistleblower? C'est prison, cellule? Non, ça veut pas dire ça. C'est quoi? Si quelqu'un sait. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait un message. Serial killer recherché, kidnappe des gens et aucun corps retrouvé. La police a dressé un portrait robot. Selon les témoignages des témoins, il est clairement dangereux. Il utilise une hache pour tuer. Pour plus d'informations, appelez les urgences. Ah, whistleblower. Mot à mot, c'est genre un gars qui siffle. C'est un lanceur d'alerte en whistleblower. Ok. Il va y avoir le mec, le tueur de hache. Le tueur à la hache, il va être là. Ah, oh, putain. Et si le tueur à la hache, c'était notre grand-père? Je sais que vous allez me prendre pour une dingue. Mais c'est une maison avec des rats. Là-bas, le mur, il y a des mouches partout. Il y a des rats qui continuent de se balader. Et si notre grand-père, c'était le tueur? It's not that bad. I get my suitcase from the car. Bon, en gros, il va aller chercher le suitcase. Bon, il va aller chercher des trucs dans la bagnole. Cherchez pas plus loin. On a la peinture verte qui reste ouverte d'ailleurs. Apparemment, elle ne va pas sécher. Et là, il y a quelque chose qui pue derrière. Ah, la valise, merci. Il va aller chercher sa valise du coup dans la voiture, donc j'imagine dans le coffre, hein, bien évidemment. Ok, on va refermer peut-être le coffre. Eh. Ça sent mauvais. Ça sent... Ok. Ok, il est en mode je vais commencer à peindre. Je vais juste voir où est-ce que Karim a laissé la peinture, donc on l'a vu, c'est ici. Et là, on est dans House Flipper. Là, c'est parti, on est dans House Flipper, on peint. Alors juste, où est-ce qu'on peint? Par où est-ce qu'on commence? Ah! Je vais commencer par l'étage inférieur. Enfin, downstairs, c'est au niveau des escaliers. Il va quand même pas faire les escaliers. Il fait en bas des escaliers. Voilà, c'est bien ça. Là, c'est parti. Je me donne. Là, les gars, si vrai... Ah, ça va. Ça va. Il fait une grande partie directement. J'étais en mode, s'il fait mur par mur, on est mort. On est foutu. On va tomber sur un truc. Je peins. Moi, je me donne à fond dans le jeu, je peins. Alors par contre, il me donnera la marque de sa peinture et de son rouleau, parce que j'ai jamais peint aussi vite de toute ma vie. Moi, tous mes bureaux, quand je les peins, j'ai mis 8 ans à peu près. Lui, il va à une vitesse assez folle. Hein. Donc, il faudra... Ah! Il a besoin de plus de peinture. On y va. On donne tout. Hein. Attendez, je mets mes lunettes. Elles sont dégueulasses aussi, accessoirement, mes lunettes, mais bon. C'est pas grave. Elles sont toutes sales de ce côté-ci, mais bon. Là, on est à fond. Hein. J'avoue qu'il est un peu concon, le mec. Il pourrait quand même descendre le bac. Tu peux quand même descendre le bac à peinture, au moins t'es tranquille. Oh! Et puis par contre, si je puis me permettre, niveau goût, c'est de la merde. Hein. C'est vert. Le mec, il compte foutre un fond vert ou comment ça se passe? Parce que là, c'est... Ok, j'ai besoin de plus de peinture. Mais mec, descends le pot! Parce que sans déconner... Je vais me prendre un truc dans la gueule. Merci beaucoup Softy, merci beaucoup pour ton cinquième mois d'abonnement, comment tu vas? C'est très gentil.
On part, on y va, on donne tout. Donc ça, c'est check. Les montants de porte, le plafond, on fait pas, non? Ta gueule! Mais c'est horriblement laid. Merci Taro pour ton Prime Gaming, c'est très gentil. Non mais, il n'y a rien qui va avec cette peinture, mais bon. On va rien dire. On va rien dire, on va rien dire. Ok, j'ai besoin de plus d'encre. Non mais... Écoutez, voir si on entendait des trucs... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais... C'est horrible! C'est super moche! Ah non, je pensais que ça allait marcher. Je pense que le perso est streamer. Hein. Il veut streamer dans toutes les pièces de son chez lui, ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre. J'essaie de tricher, voir si c'est possible. Pas du tout. Il va se passer une dingue, j'imagine. Hein. Ah. Et comme là, qui c'est qui a mis ses bougies? C'est Karine? Là, il me reste le dernier mur à peindre. Après, c'est peint. Ok. Demain, je vais peindre le deuxième étage. Mais là, je ferais mieux d'aller me coucher. Je suis fatiguée. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Tout le monde a entendu comme... C'était pas moi, non? Je bois, je vais m'hydrater un coup, je vais m'hydrater, faut s'hydrater. Et voilà, je peux pas dormir avec ces maudits rats. Enfin, c'est ces rats qui font du bruit. Hein. Je vais passer dans l'autre là. Je vais passer dans l'au-delà. Je n'arrivais même plus à parler. Oh, comment j'ai eu peur! Donc, il nous a dit. Oh shit! C'était juste un rêve. Comment j'ai flippé! Attends, ça nous a repassé en... Ouais, voilà, ça nous avait repassé en... Ok, je devrais commencer à peindre le top. Karim sera bientôt là. J'ai eu trop peur, les gars. Il m'a fait peur. Oh, j'ai paniqué de ouf. Koniko, comment tu vas? J'arrive sur le stream, je vous prends en screamer. Ah ouais, non, mais tu m'étonnes. Mais moi, je l'ai pas bien vécu, quoi. Oh la vache!
Ok, j'ai besoin de plus d'encre. Enfin, c'est pas encre. Enfin, ink, pour moi, c'est encre. Mais du coup, on va le traduire par j'ai besoin de plus de peinture. Oh la vache! Ça, c'est bizarre. Merci Kaouda, merci beaucoup pour ton quatrième mois. Je t'envoie du courage, c'est très gentil parce que vu comme j'ai peur, c'est super gentil de ta part. Merci beaucoup. Puis le mec est fort, hein. On verra. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Ah! Karim est arrivé. Oh, est-ce que c'est Karim ou est-ce que c'est le tueur? Ah, il y a une bagnole, effectivement. Ah, il n'y a rien qui va. Salut Karim! Oh la vache! Hey! Ray, comment tu vas? Est-ce que t'aimes la maison? Salut Karim, j'adore la maison. Enfin, j'ai besoin d'une team pour buter les rats, quoi, parce que la maison en est infestée. C'est étrange. Juste. Oh là là! Hier matin, j'ai envoyé une équipe pour s'occuper de la maison. Ah, donc voilà. Donc il y a des gens qui sont venus, sauf que ça devait pas être les rats, je pense. Merci mon ami. Viens voir, rentre à la maison pour, enfin, rentre pour voir la rénovation. Allez, viens. Mais ça se trouve c'est le tueur en fait, hein. Moi je viens de laisser rentrer le tueur là, si ça se trouve. Vas-y, viens. T'as été vraiment rapide. Ah bah oui, t'as vu, j'ai peint tout le bas. Il regarde. Ça se trouve c'est le tueur. Ton grand-père serait vraiment très fier de toi. Je le sens mal. Ah, c'est demain matin, pardon. Demain matin, il enverra une équipe. Excuse-moi. Demain matin. Merci beaucoup. Ok. Par contre, Karim, si je puis me permettre, le trou qu'il y a là, avec les mouches autour. Si je puis me permettre, hein. Peut-être qu'il y a un mort. Non? D'ailleurs, il s'y dirige. Il s'y dirige. Ce mur a besoin d'être cassé. Il est pourri. Oh, je l'ai pas. J'ai pas lu la suite, mais j'ai lu Sledgehammer, donc j'imagine qu'il va aller chercher un marteau. Il va les péter ça. Tu dois y aller. I just came here to see if you're okay. See you, friend. Donc il me dit en gros, I need to go. Ah non, lui, il y va. Non, non, je crois que lui, il part. Et moi, je vais peindre le deuxième étage. Je vais continuer de finir de peindre le deuxième étage. Non, non, non. Attends. Oh le con. Il va me tuer. Il va se passer une dinguerie. Il va se passer une dinguerie, ça va être pour ma pomme. Oh non. Je regarde si le mec il vient pas avec une hache ou je sais pas trop quoi. On voit la voiture d'ici? On voit pas la voiture d'ici, hein. Il va me couper en rondelles, le mec. Les gars, je vais finir en knacki. Il va finir en... Je vais finir en knacki. Oh, finalement, j'ai terminé de peindre. I need to access the attic to get something and fix... Ah, j'ai pas eu le temps de lire, donc voilà. Donc, je pense qu'il a besoin d'accéder là. Voilà, attic, c'est le grenier. Du coup, j'imagine. Il prend les... Oh putain! Ou alors ça... Oh lâche! Le tueur lâche! C'était grand-père! Oh allez vite! I'm not feeling well! Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien.
Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai travaillé très dur. Je crois que j'ai travaillé trop dur. À chaque fois, ça saute, du coup, je repasse. Hein. Ah, puis il fait nuit, on est content. Y a la hache, une vieille hache. Elle est recouverte de sang. Puis t'inquiète pas que c'est pas un rat qui l'a buté, hein, le père Martin. Ça se trouve, c'est moi ou c'était grand-père le tueur. Hein. On va voir. Mais il est con, hein, lui, hein. Il est con, ce perso, quand même, hein. Il vient de trouver une hache ensanglantée, le mec a fait un malaise dans le truc, mais il se dit pas, je vais partir. Non. Il se dit pas, je vais partir. Comment ça? Ça va me péter à la gueule, ça. Ça sent la douille. Oh putain, oh j'ai pas envie, moi j'en ai marre. J'en ai marre de ces jeux-là. J'en ai marre de faire des jeux d'horreur. Moi je veux rejouer à des jeux sympas. Putain, c'est qui y a? Fais mal à la taille du rat, t'as vu le truc? T'as vu le truc ou pas? Je crois que je deviens fou dans cette maison. Hein. J'ai besoin de repos. Mais ça vient de se... Mais prends... Ah, j'ai besoin de casser ce mur. Mais pourquoi j'ai dit j'ai besoin de repos? Mais oui, en plus, je me suis dit tout à l'heure quand je lisais Break the Wall, je me disais c'est casser le mur. J'ai dit repos. Effectivement. Eh ben, je vais prendre la hache. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je vais prendre là, je vais casser le mur. Voilà. Mais c'est... Attendez, attendez, attendez. C'était une hache tout à l'heure. C'était une hache tout à l'heure, c'était pas du tout un... C'est quoi ce bordel? Bah, il y a des corps dans le mur, hein. Et paf. Monsieur? Papy, c'est toi? Papy? Papy, it's you? Papy, si c'est toi, avance deux fois. Je ne te veux pas de mal, papy, d'accord? Je ne te veux pas de mal, parce que j'ai l'impression que je vais être le quatrième body dans le mur, là. Papy, papy, si c'est toi, putain, ça va être Karim. C'est grand-père. Est-ce que tu es mon grand-père? Est-ce que tu es la personne qui a tué ces gens? Oui, Ray, je suis ton grand-père. J'ai tué ces personnes pour garder cette maison en sécurité. Oh mon Dieu, mais c'est horrible! Tu aurais pu laisser ces gens vivre. Tu fais partie de la famille. Tu as besoin de continuer ce boulot, en gros, il fait la passation, quoi. Cette maison est ta legacy, c'est quoi? Legacy, your legacy, c'est quoi? Ah merde. Cette maison est ton héritage, merci. Une partie de toi. Do you want me to kill people? No, I will never do this. Me? Not Ray. Cette maison a besoin. Oh la mag...
Mon grand-père, le meurtrier, n'a jamais été arrêté. J'étais vraiment effrayée par ça. Il veut vraiment que je continue ça? Oh, le mec, il est pris au piège, quoi. Oh, en gros, son cerveau lui dit de partir, mais son corps lui dit le contraire. C'est ça? Si c'est ça, c'est la merde. Oh là là, ça va mal finir cette histoire. Hein. Le 28 octobre 1977. Est-ce que ça m'est vraiment arrivé? Ah, j'ai pas le temps de lire la suite. Donc, je remets en PS2. Feed the wall, feed the rats. Donc, suis les murs, suis les rats. Non, mais attends. Ta gueule. Merci beaucoup, Mathis, pour ton abonnement. Deuxième mois déjà, c'est très gentil. Mais je veux pas buter. Ah, c'est nourri. Merde. Oh, mais qu'est-ce que je suis à chier. Donc, nourris les murs, nourris les rats, c'est ça? Oh là 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 là, c'est pas possible, c'est pas possible. Hein. Cet anglais. Je ne m'améliore pas en ce moment, je ne m'améliore pas. Merci beaucoup. Donc, nourris les murs, nourris les rats. Oh! Il y a l'équipe de... Oh oh. L'équipe de dératisation, ils sont là. Oh! Putain. Bonjour monsieur, je suis l'exterminateur. Ok, c'est Karim qui m'envoie. Oh bonjour, ravi de faire votre connaissance. Cette maison est infestée de rats. Ok, donc il dit qu'il va commencer le boulot et que le poison n'est vraiment pas nocif pour les êtres humains. Ok, s'il vous plaît, rentrez. Et soyez confort. Je vais le buter. C'est sûr que je vais le buter, le pauvre gars. Oh là 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 là. Elle est marrante, cette moustache en PNG. Ça sent la merde. Donc en fait, je vais prendre le... la place de mon grand-père. Et le mec, je vais le couper en saucisse. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de camion. Ah si, il y a camion. Quoi? Karim arrive soon, j'ai besoin de cacher le corps. Non mais il est... Comment c'est... Quoi? Attends, 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 de quoi? C'était vraiment écrit j'ai besoin de cacher le corps? Oh! Oh, j'ai buté. Oh. Ok, bon bah on a un vrai problème. Aïe, on a un énorme problème là. C'est catastrophique ce qui est en train de se passer. J'ai buté le... Vite. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Les jours passent et Karim n'est toujours pas venu. Cette maison est en train de me rendre fou. Ah, y a une souris géante en gros qu'il regarde quand il dort. Elle a besoin de manger. Oh. Ok, son corps fait partie, une partie de son corps fait partie de la maison. Oh là 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 là. Oh non. Il a décidé d'accepter, en gros, de faire honneur à sa famille après tout ça. C'est sa maison maintenant. Mais ce rat géant a vraiment faim, c'est ça? He's making me angry. Je sais pas si ça veut dire ça. Attends, c'est qui décide de crever? En colère. Ah non, angry c'est en colère, d'accord. Donc ce rat géant est en colère. Et qui c'est qui a besoin de mourir dans cette histoire? Parce que là, il veut tuer le rat géant qui l'énerve avec un revolver. Ah oui. Donc là, le 11 no... Oh putain. I don't need it now. Mais ça va mal finir cette histoire. Cache lâche. Oh là là. Eh ben, on va ouvrir à Karim. Non?
Ah, j'ai cru que Karim est arrivé. Et la hax, on s'en fout? Ça sent les emmerdes, hein. Mais attends, il dit qu'il y a une vieille hache couverte de sang. Mais en bas, il y a une hache aussi. Au dodo. Donc là, le rat va aller le visiter. Oh putain. Oh sa mère, t'es mal le rat! Recule! Putain le rat! Oh je lui ai tout mis. Oh, apéro, entrée, plat, dessert. Oh j'ai tué ce rat. Ok, maintenant il va pouvoir dormir en paix. Mais cette maison a toujours besoin d'être nourrie. Non mais c'est pas possible. Mais c'était pas plus mal d'avoir un gros rat final. C'était pas plus mal d'avoir un gros rat finalement. Ah! C'est quoi, j'avais encore jamais réalisé? I had turned into a murderer, guilty and alone. Je suis devenu un meurtrier, coupable et tout seul, c'est ça? Mais il est con le mec, hein. Il dit qu'il veut faire de mal à personne. Ma famille, je suis désolée. C'est ma confession. Oh! C'est ma. En gros, il se confesse et c'est sa lettre de suicide. Bah ouais, mais là, Martin aussi, t'as fait le con, hein. Ah là, t'as fait le con aussi, hein. T'étais pas obligé de dire oui à papy. Hein. Papy is a murderer, toi is a not murderer. Hein. Donc bon, t'étais pas obligé de. Ah donc le mec se fout en l'air quoi. Il avait buté Karim aussi, du coup, non? Ah, puis là, il s'est pendu.